Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de cette chaîne. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Pandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour votre émission « L'heure de ta délivrance ». L'heure de délivrance. C'est l'heure de ta délivrance, mon frère, ma soeur. Partout où tu es, Dieu veut te libérer. Dieu veut te délivrer. Des chaînes sataniques, Dieu veut te délivrer des alliances maléfiques. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole, et ta parole le guérit, ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse éclairer ton peuple, qu'elle puisse libérer ton peuple. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous la parole de Dieu. Que Jésus et que Jésus seul soit glorifié. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Isaïe chapitre 30, versets 1 à 3. Je prends pour thème, c'est libérer des alliances maléfiques. C'est libérer des alliances maléfiques. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Qu'est-ce qu'une alliance maléfique? Une alliance, d'abord, c'est un accord entre deux ou plusieurs parties. Dans cet accord, il y a des termes, il y a des conditions, il y a des clauses. Maintenant, quand nous parlons des alliances maléfiques, nous parlons des alliances que les humains traitent avec les mauvais esprits. Souvent, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Les gens le font consciemment ou inconsciemment, mais les conséquences sont néfastes. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause des alliances maléfiques, mais ils ne le savent pas. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, le diable a copié le principe de Dieu. Il sait que Dieu, depuis le commencement, quand il traitait avec les hommes, il traitait avec en termes d'alliance. Dieu a fait alliance avec Abraham, Dieu a fait alliance avec Noé. Le diable a imité ce principe-là. Parce qu'il sait que dans l'alliance, il y a l'engagement. Les alliances sont irrévocables. On ne peut pas briser l'alliance sans une conséquence. Le diable a pris le même principe et il a commencé à enseigner à ses disciples. J'ai pris mon Dieu après ses enseignements. Que vous puissiez être libérés des alliances maléfiques au nom de Jésus. Comment les gens entrent dans les alliances maléfiques? Nous disons, par les parents. Beaucoup de parents ont initié leurs enfants dans des alliances maléfiques. D'autres ont reçu cela par leurs parents. Les parents les ont fait entrer dans des alliances maléfiques. Je ne sais pas, mais c'est ton cas. Dans votre famille, votre père vous a donné des choses. Il a dit, c'est pour vous protéger. C'est pour vous donner la chance. Et vous avez grandi avec ces choses-là. Sachez que c'est une alliance maléfique. Vous avez besoin de la délivrance. D'autres familles ont des marmites. Des gris-gris. Ce sont des alliances maléfiques. Donc,
première voie par laquelle nous entrons dans les alliances maléfiques, c'est au travers le parent. Certaines personnes ont hérité des parents, des alliances, ont hérité des parents, de fétiches. Tu dois renoncer à cela si tu veux être libéré au nom de Jésus. Deuxième voie où nous entrons dans les alliances maléfiques, c'est par le choix. D'autres pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection, pour des raisons de chance, ont contracté des alliances avec le monde des ténèbres. D'autres ont adhéré à des sociétés secrètes. D'autres, à la recherche des avantages matériels, ont signé des pactes et des alliances avec le monde des ténèbres. Je vais donner un exemple banal. D'autres aussi l'ont fait inconsciemment. Un jeune homme et une jeune fille qui s'aiment, qui se disent, en tout cas, si on se sépare, moi je ne veux pas te perdre. Et ils prennent la lame de rasoir et se coupent. Et ils lèchent le sang. L'un prend pour l'autre, l'autre fait pour l'autre. Ils ne sont pas des sorciers. Mais ils ont fait cela. Ils sont entrés automatiquement dans l'alliance maléfique. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons des alliances conscientes dont la personne sait ce que la personne fait. Et d'autres sont des alliances inconscientes. La personne ne fait pas, ne sait pas ce qu'il veut. Mais il contracte une alliance avec les forces des ténèbres. Mon Dieu est capable de te libérer. J'ai dit, mon Dieu est capable de te libérer. Que ce soit une alliance consciente ou inconsciente, il y a les mêmes conséquences. Je vais parler des types d'alliances. Premier type d'alliance, c'est les alliances avec les esprits de mort. Ésaïe 28, verset 15. Beaucoup de gens ont contracté des alliances avec les esprits des morts, soit consciemment ou inconsciemment. D'autres sont allés dans des cimetières faire des invocations. Ce sont des alliances avec les esprits des morts. D'autres sont allés prier les morts. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas prier les morts. Quand tu pries les morts, tu es en train de contracter une alliance avec les esprits des morts. D'autres ont parlé à des morts. La Bible interdit cela. Quand tu es en train de parler à des morts, à une personne qui est morte, tu es en train de contracter une alliance avec les esprits des morts. La Bible dit, les morts ne savent plus rien. Ce n'est pas normal de voir dans tes rêves les gens qui sont décédés. Si tu es en train de vivre ces choses, tu as besoin de la délivrance. Beaucoup sont entrés dans ces alliances avec l'esprit de mort à cause des cérémonies. Chez nous, les Africains, quand quelqu'un décède, souvent on fait des cérémonies. Toutes ces cérémonies-là qui sont liées à la mort, souvent nous ouvrons des portes et nous contractons des alliances avec les esprits de mort. Parler aux morts. Enterrer des choses dans les cercueils. Faire des invocations au cimetière. C'est des alliances avec les esprits des morts. Coucher avec un mort. C'est des alliances avec les esprits des morts. Il y a une famille que nous encadrons. Leur papa avait l'habitude souvent d'aller dans des cimetières faire des invocations. Le papa est décédé, mais cette alliance-là, les enfants ont commencé à subir les effets de cette alliance-là.
Chaque enfant a permis. Un des enfants. Il n'y a pas la prospérité dans la famille. Il y a les blocages. À cause simplement des alliés avec les esprits des morts. J'ai pris mon Dieu que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es touché, contacte-nous par WhatsApp ou par Imo. Plus 243-9-98-41-26-29. Plus 243-9-98-41-26-29. Les retraits de dés. Souvent, il y a des cérémonies lors des retraits de dés. Les 40 jours. Ce sont des choses qui font des alliances avec les esprits des morts. L'ennemi dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Les gens font consciemment ou inconsciemment les alliances avec les esprits des morts. À l'occasion des morts, vous allez dans les cimetières, vous mangez, vous buvez. C'est des alliances avec les esprits des morts. D'autres l'ont fait consciemment, d'autres inconsciemment. Mais les conséquences sont les mêmes. Enterrer des choses dans les cimetières, aller faire des invocations dans les cimetières, sont des portes ouvertes. Ce sont des alliances que nous contractons avec les esprits des morts. Deuxième type d'alliance, c'est les alliances religieuses. S'agenouiller devant des statues. Ce sont des alliances que nous traitons avec les esprits religieux. Adorer les anges. Ce sont des alliances avec les esprits maléfiques. Brûler l'encens. Faire des prières avec des bougies. Ce sont des alliances. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent à cause de cela. Vous vous agenouillez devant des statues avec un altar dans la maison. Et chaque fois, ils venaient s'agenouiller devant cet altar-là. Quand ils avaient des problèmes, ils venaient là. Et ils parlaient à l'altar. Conséquence, il y a la mort dans la famille. Il y a eu le blocage dans la famille. Les alliances religieuses. Nous devons briser ces alliances pour qu'il y ait la libération au nom de Jésus-Christ. Faire des prières avec des psaumes tout le temps. L'utilisation spéciale des psaumes. Ce sont des alliances avec les esprits. Ce sont des alliances religieuses. Consommer la nourriture dans les églises. Plus vous mangez, plus vous renforcez cette alliance-là. Beaucoup à la recherche de solutions. On consultait des faux prophètes et sont entrés dans des alliances comme cela, sans les savoir. Les bains mystiques sont des alliances religieuses. Prier nu ou uriner devant les photos sont des alliances religieuses. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Troisième type d'alliance que les gens entrent, c'est les alliances de rêves. Beaucoup sont entrés dans des alliances à cause de certains rêves. Ils n'ont rien fait. Ils ont vu des rêves. Au lieu de chercher la délivrance, ils ont gardé ces rêves. Ils ont accepté ces rêves-là. Et ils sont entrés dans des alliances avec le monde des ténèbres. Manger dans les rêves. Si tu vois chaque fois tu es en train de manger dans les rêves, c'est une alliance avec les maléfiques qu'il faut briser au nom de Jésus. Nager dans l'eau, servir les gens que vous ne connaissez pas dans le rêve, sont des alliances maléfiques. Se marier dans le rêve, avoir des rapports sexuels dans les rêves, sont des alliances maléfiques. Frères et sœurs, quand vous voyez quelque chose de négatif dans le rêve, vous devez vous réveiller et détruire cela au nom de Jésus. Toi qui te retrouves souvent dans les rêves, en train de faire des réunions avec les gens,
dont tu ne vois pas le visage. Tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus. N'accepte pas ces rêves-là. Tu dois t'élever dans la prière et détruire ces alliances-là au nom de Jésus. Si tu ne fais rien, tu te réjouis de ces rêves-là. Tu contractes une alliance maléfique sans le savoir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quatrième type d'alliance que les gens contractent sans le savoir, c'est l'alliance de partenaires sexuels. Beaucoup sont entrés dans ces alliances-là à cause d'une vie sexuelle désordonnée. La Bible dit que les deux vont devenir une seule chair. Quand vous couchez avec une personne, vous entrez en alliance avec cette personne. Cette personne n'est pas votre conjoint, n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes marié. Automatiquement, vous entrez en alliance avec cette personne. Si la personne a des mauvais esprits, les mêmes esprits, mauvais esprits entrent en vous. C'est pourquoi le diable dans ces deux états contraint des alliances par la voie sexuelle. Beaucoup de jeunes filles ont été possédées par cela. Beaucoup aujourd'hui sont entrés dans des alliances avec des partenaires sexuels. J'ai ici le cas d'une jeune fille. Quand j'ai commencé à délivrer, les esprits ont commencé à parler. Ils m'ont dit, nous sommes nombreux. Nous tous, les hommes qui sont sortis avec lui, nous avons pris son étoile. Mon frère, ma soeur, tu dois te repentir et chercher la délivrance au nom de Jésus. Les alliances, les partenaires sexuels. Il y a un enfant que j'ai reçu, un cas que j'ai reçu ici. La fille est sortie avec un député. Ce député-là était dans les sciences occultes. Et ce député-là avait pris l'étoile de la sœur. Depuis lors, rien ne marche dans la vie de la sœur. Jusqu'à ce qu'elle a suivi les enseignements. Elle a commencé maintenant à retracer sa vie. Ah, j'étais sorti avec un tel homme. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. La vie sexuelle désordonnée, le sexe en dehors, le mariage est une voie royale des alliances maléfiques. Cinquième type d'alliance, c'est l'alliance de l'argent étrange. Il y a certains argent qui circulent, il y a de l'argent qui circule, mais c'est l'argent qui travaille dans le monde des ténèbres. Dès que vous acceptez cet argent-là, vous contractez une alliance avec le monde des ténèbres. Là, il y a l'argent mystique qui circule. Beaucoup aujourd'hui sont entrés dans l'alliance de l'argent étrange et ont commencé à vivre la pauvreté sans le savoir. D'autres ont mixé l'argent étrange avec leur fonds de commerce et depuis rien ne marche. J'ai reçu le cas d'un frère. Une femme lui avait prêté de l'argent, il était en difficulté. Depuis qu'il avait reçu cet argent-là, il a mis dans ses affaires. Ses affaires ont commencé à dégringoler. Cet argent a avalé tout ce qu'il avait. Et la femme ne faisait que multiplier la dette. Jusqu'à ce qu'il va comprendre, en suivant les enseignements, que l'argent-là qu'il avait pris, ce n'était pas bon. Cet argent-là était travaillé dans le monde mystique pour l'appauvrir. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vos ennemis peuvent vous passer de l'argent étrange pour vous aider. Or, cet argent-là, c'est pour vous acheter. Achetez votre étoile. Achetez vos bénédictions sans le savoir. Je reçois beaucoup de cas de gens dont on leur donne l'argent de travailler dans les forces des ténèbres. L'argent fait pour acheter les consciences. L'argent de l'avortement, c'est de l'argent sale. Ce type d'argent, dès que vous acceptez cela, vous entrez en alliance avec les forces des ténèbres. L'argent
Des gens qui sont dans des mouvements occultes sont une des voies pour faire entrer les gens dans les alliances mystiques. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Cet argent-là va engloutir tout, va avaler tout, et tu vas te retrouver dans la pauvreté. Sixième type d'alliance, disons les alliances des noms maléfiques, des noms de famille. Les noms que nous portons peuvent nous introduire dans ces alliances maléfiques. Il y a des noms qui glorifient les idoles. Il y a des noms qui sont des portes malheurs. Il y a des noms et des prénoms qui condamnent les gens à la souffrance et à toutes sortes de déboires. Nous rencontrons des gens aujourd'hui qui souffrent à cause des noms, qui sont entrés dans des alliances maléfiques à cause des noms. Regardez des noms comme Mapasi, des noms comme Sita, des noms comme Lutumba, les noms d'initiation maléfiques, des noms comme Madilou, Makiadi, Mbongo Pasi, Chibola. J'ai reçu des cas d'une sœur qui s'appelait Vumilia, qui venait rançonner les supporters. Et la sœur, c'était vraiment sa vie. Elle était en train de supporter n'importe quoi. Et sa vie, rien n'est marché. Les alliances des noms de famille. Tu dois te poser, quelle est la signification de ton nom? La personne qui a porté ce nom-là, quelle a été sa vie? Beaucoup ont été introduits dans des alliances maléfiques comme cela. Septième type d'alliance, les alliances des fétiches. Quand vous consultez un féticheur, un marabout, un guérisseur, vous contractez une alliance avec lui. Il va vous aider, il va vous secourir, mais entre-temps, vous contractez une alliance avec ces messieurs-là. L'argent que vous donnez, les animaux que vous sacrifiez, c'est pour sceller cette alliance-là. Beaucoup en consultant des marabouts, des voyants, ont été possédés par l'esprit de ces marabouts-là. J'ai reçu le cas d'un frère. Quand nous avons commencé la prière de délivrance, les esprits disaient, il est venu chez moi. Je lui ai donné la chance pour avoir cette fille-là. Et depuis, il m'a vendu son étoile. C'est pourquoi je suis entré dans son corps pour le détruire. C'était l'esprit de féticheur qui parlait au travers de ces jeunes garçons. Beaucoup se promènent avec les esprits de voyants et de guérisseurs, mais ils ne le savent pas. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Cette alliance-là maléfique doit être brisée au nom de Jésus. Plus 243, 9, 98, 41, 26, 29. Plus 243, 9, 98, 41, 26, 29. Contactez-nous pour ta délivrance, pour la délivrance de ta famille. Trop c'est trop. L'heure de ta liberté a sonné au nom de Jésus. Quelles sont les conséquences des alliances maléfiques? Les conséquences sont néfastes et désastreuses. Première conséquence, nous allons remarquer, il y aura les malédictions. Et quand il y a la malédiction, il y a la loi de la mort qui entre dans la vie de la personne qui a contracté l'alliance. Il y aura les morts précoces. Il y aura les mariages tardifs et foyers instables. Il y aura les divorces, les célibats. Ce sont des conséquences des alliances maléfiques. Il y aura les problèmes persistants. Les problèmes qui ne se terminent jamais. Si vous constatez cela, c'est qu'il y a une alliance quelque part qu'il faut briser au nom de Jésus. Les problèmes qui reviennent. Ça part, ça revient. Ça part, ça revient parce qu'il y a une alliance qu'il faut détruire au nom de Jésus. Il y aura les échecs. Donc la première conséquence,
c'est les malédictions qui vont s'abattre sur toute personne qui contracte une alliance maléfique. Deuxième chose, nous allons remarquer, il y aura les réclamations. Le diable va vous réclamer. Le diable va réclamer la famille. Il y a beaucoup de familles dont le diable les réclame parce qu'il y a une alliance. Soit la personne a fait l'alliance, soit les parents ont fait l'alliance. Donc les alliances maléfiques amènent les réclamations. Le diable ne réclame que ce qu'on lui a donné. Il y en a des gens qui ont été sacrifiés au fond des ténèbres. Beaucoup subissent des réclamations à cause des alliances maléfiques. Cela doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Comment maintenant se libérer des alliances maléfiques? Nous disons, faire alliance avec Dieu. Il faut une alliance supérieure pour se libérer des alliances maléfiques. Et l'alliance supérieure, c'est l'alliance qui est scellée par le sang de Jésus. De faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Lui seul peut nous libérer des alliances maléfiques. Lui seul peut libérer nos familles des alliances maléfiques. Il y a des familles, chaque le 31 décembre, ils font des sacrifices, ils mangent la nuit. Et aujourd'hui, vous avez voyagé. Rien ne marche dans votre vie. Il n'y a pas de barrière dans la famille. Seul Jésus peut nous libérer de ces alliances-là. L'alliance scellée par le sang de Jésus est plus forte que toute autre alliance. C'est pourquoi nous devons faire alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, la repentance et le renoncement. Vous devez vous repentir de tout péché, consciemment ou inconsciemment, et renoncer à ces alliances-là. D'autres ont sacrifié des animaux, d'autres ont parlé à des cimetières. D'autres ont invoqué des morts. Vous devez vous repentir de ces choses-là. D'autres se sont agenouillés devant des statues. Vous devez vous repentir de ces choses-là. Et renoncer à toute alliance. D'autre part, ignorance. On fait des pactes de sang. Vous devez renoncer à ces alliances-là. Au nom de Jésus-Christ. Vous devez faire cela avec une colère sainte. Troisième chose, vous devez révoquer les alliances maléfiques. Vous devez révoquer ces alliances et annuler cela au nom de Jésus. Si vous n'annulez pas ces alliances-là, si vous ne rompez pas cela, cela va continuer à agir dans votre vie, cela va continuer à agir dans votre famille. Quatrième chose, vous devez lier les esprits chargés d'exécuter ces alliances-là. Derrière les alliances, il y a des mauvais esprits, il y a des démons qui ont pour mission d'exécuter les mauvaises alliances. Donc vous devez prendre autorité, chasser tout esprit qui est derrière les mauvaises alliances et vous libérer au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose, vous devez remplacer les malédictions par les bénédictions. Il doit y avoir un remplacement. Les alliances nous condamnent. Les alliances amènent la mort, amènent les échecs. Vous devez maintenant, en contractant l'alliance avec Jésus, déclarer la vie, déclarer la bénédiction, déclarer le succès et le progrès au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui as été touché, toi qui as pris la décision de sortir de toute mauvaise alliance et de faire alliance avec Dieu. Reprends après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je viens faire alliance avec toi en t'acceptant dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je renonce au diable. Je renonce aux alliances faites avec les esprits de famille. Je renonce aux alliances avec l'occultisme. Je renonce aux alliances faites avec le fétiche au nom de Jésus-Christ. J'annule ces alliances-là au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi. Fais-moi sortir de toute mauvaise alliance qui me réclame, qui me condamne. Je réclame le sang de Jésus pour me libérer et me délivrer.
Merci Seigneur Jésus. Je vais prier pour toi, Père, au nom puissant de Jésus. J'amène ton peuple qui a écouté ces messages, ton peuple qui souffre des alliances maléfiques. Tu es le Dieu des délivrances, Seigneur. Je viens en ce moment détruire ces alliances-là au nom puissant de Jésus. Les alliances avec les esprits des morts, les alliances des partenaires sexuels. Je brise cela. Je brise cela au nom de Jésus. Je te libère de toute mauvaise alliance au nom puissant de Jésus. J'ai lu les esprits qui sont derrière ces alliances-là. Je les commande maintenant de vous libérer, de libérer votre vie, de libérer votre étoile au nom puissant de Jésus. Toi, démon de malédiction, libère mon frère, libère ma soeur au nom puissant de Jésus. Je brise toute réclamation au nom puissant de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Pandi. Appelez-nous sur WhatsApp, sur Imo, à nos numéros 00243-9-98-41-26-29. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne.